que c'est que ce bordel? Donc ça, c'est le truc que j'ai reçu plus ou moins par erreur en fait. Comment ça, par erreur? Bah, tu vois, j'ai reçu un vide de commande qui me disait « Est-ce que vous voulez télécharger les données ?» J'ai fait oui. Et ça m'a ouvert un fichier texte avec des codes. J'ai mis ces codes dans la page web qui venait de s'ouvrir et ça m'a affiché ça. On dirait un truc d'entreprise. Ouais, c'est en fait, visiblement, d'après les logos, ça appartient à l'entreprise TIGAFAM. TIGAFAM? Ouais. C'est pas la grande entreprise qui a racheté les géants du web? Ils ont racheté Google, Facebook, enfin bref, ça tout le monde le sait. Et ils veulent créer un système qui va s'appeler le système Trump. Trump, vraiment? Ça veut dire TIGAFAM Resolution Unity for the Monitoring of People. Enfin, ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Par contre, le système, ça a l'air d'être assez flippant. En fait, comme ils ont racheté toutes les grosses sociétés du web, ils ont tous les réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Donc, ils veulent utiliser les milliards de données qu'ils ont pour créer un espèce de réseau d'espionnage, mais privé, et qui vendrait ces informations au plus offrant. Mais c'est un truc de fou, ça, c'est interdit. Ouais, et puis, en plus, j'en ai jamais entendu parler avant, ils font ça de manière hyper discrète. Enfin, faut faire quelque chose, on n'espionne pas les gens comme ça à leur insu. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Bah non, on va rien faire. Même pas un tout petit peu. Non, bon. Mais je sais pas, on va pas tenter un truc d'une telle ampleur contre une telle entreprise, quoi. On a 16 ans, les mecs. Moi, j'en ai 18. Oui, oh. Je veux dire, même dans leur documentation, ils sont conscients que c'est illégal. Ouais, enfin bon. Donc ça veut dire, on a reçu les trucs par erreur, autant en profiter. Nous, on peut faire quelque chose, personne d'autre peut le faire. Bref. Bon, de toute façon, il y a mon prof de Marrakech qui va venir. Je suis obligé de vous dire, il faut que vous y alliez. On voit ça demain. Ok. On en reparle. Pas de problème. On entend les derniers. T'inquiète, on va bientôt pouvoir partir. Tu sais, avec la mise en place de Trump, on fait des heures sup, hein, et après, ça sera tranquille. Ouais. Enfin! Ah, les dernières confirmations sont arrivées. Tous les cadres en rapport avec Trump ont reçu leurs identifiants. On va pouvoir y aller. Parfait. Bon les gars, c'est parfait. Vous me lancez un décompte de 48 heures dans 3 heures précisément. Hein? J'ai dit dans 3 heures, vous déclenchez un compte à rebours de 48 heures. Exécution! Il faut vous déboucher d'as oreille. Mais on peut pas faire un décompte de 51 heures, c'est plus simple. Oui, mais 9, 48 heures, ça fait joli, ça fait rond, ça fait prend. Mais on s'en fout, de toute façon, c'est top secret. Bon, ça suffit, c'est moi le chef ici. Donc maintenant, vous faites un décompte de 48 heures dans 2 heures, 58 minutes et 13 secondes. Bon, on parle et on perd du temps. Maintenant, exécution. Et il joue au Monopoly. Et vous, vous allez... J'achète la rue de la paix. Ça à moi! Démerdez-vous maintenant! C'est incroyable, c'est un système généralisé dans 30 pays différents. Impossible de trouver un article en presse qui en parle. Ouais, surtout ce qui est... On n'aurait jamais dû recevoir ces infos, c'est ça qui est incroyable. Ouais, bah moi je propose qu'on les supprime et qu'on aille faire un foot, hein. Ah non mais attends, on a dit qu'on faisait quelque chose, on le fait. Ouais, mais non. Putain, on peut être traîné en justice. Après, tu sais combien ça peut coûter, intrusion dans un système informatique sécurisé? Bah écoute, je pense que TIGAFAM portera pas plainte parce que ça les exposerait trop. Ouais bah non, moi je prends pas le pari, démerdez-vous! Alex, merde! Ça coûte cher un ordi! Attends. J'ai l'impression qu'il a appuyé sur une touche, ça a fait télécharger un truc en plus. C'est un document sur les conditions extrêmes d'annulation. C'est genre s'ils veulent pouvoir annuler au dernier moment. Si on lit ces documents, à mon avis, on pourra savoir comment faire annuler la mise en ligne du système. Bon, bah on n'a plus qu'à lire ces trucs. Alors, t'as quelque chose? Non, pour le moment, toujours rien. Attends. Quoi? Il y a un truc, mais c'est bizarre. En gros, ce serait quelque chose... Tu vois, c'est la branche française qui a développé le truc, même si c'est un réseau interne à TIGAFAM. Et on a laissé à ces gens-là l'option d'annuler la mise en ligne à tout moment. En leur donnant un code sur une carte SD qui sera transmis de main en main. Et ils pourront le faire dans les 4 heures qui précèdent la mise en ligne. Demain, quoi? Ouais, c'est demain. Et ce sera fait à côté du centre de développement. Alors, attends, il est où le centre de développement? Il est à Lyon.
Ok. Ici, j'ai la localisation de l'endroit où ils doivent se passer la carte SD. Je te propose qu'on se fasse passer pour le mec qui doit recevoir la carte SD, qu'on la récupère et qu'on annule la mise en ligne. Bonjour. Asseyez-vous. On y a un coussin. Plus vite. Bon. Bien que j'y sois totalement opposé, vous allez devoir remettre les codes à la phrase. Excusez-moi. Veuillez remettre ci à l'agent français. Très bien, monsieur. Bon, alors le mec qui va devoir livrer la carte SD, c'est un agent de la branche suisse de Tigafan. Et le type qui va aller la chercher, c'est un agent de la branche française. Donc le suisse, on sait qu'il va être pile à l'heure et que le français, il va avoir un quart d'heure de retard. Mais c'est quoi tous ces clichés? Non mais je te jure, je connais des Suisses et des Français. Enfin, je suis français. On va jouer là-dessus, on va jouer sur ce quart d'heure d'écart. Comme ça, du coup, toi, tu vas pouvoir te faire passer pour l'agent français et lui prendre la carte SD. Voilà comment on va faire. Le rendez-vous est à 14h. Toi, tu iras là-bas pour 13h45 histoire d'être bien en avance. Ensuite, dès que le Suisse arrivera, bah, tu récupères la carte SD et tu t'enfuis tu pars normalement le plus loin possible sans te faire suivre. Bah ça va, c'est simple finalement. Ah bah oui, c'est simple, on n'est pas dans un James Bond. Ouais. C'est dommage juste que Alex ait pas pu nous aider, mais bon. Bah on va faire sans, hein. Ouais. On y va ? Ouais, on y va. T'es sûr que c'est pas suspect le micro comme ça? Non, t'inquiète, de toute façon aujourd'hui tout le monde a des écouteurs. Bon, c'est bien, t'en avances, tu vas pouvoir attendre le mec. Oh, je crois qu'il est déjà là. Attends, je vérifie. Ah oui, effectivement, il en avance. Bon, et ben, ça nous laisse du temps, c'est bien. Sur ta gauche, le mec assis sur un banc. Il a réussi. Beau temps d'hiver, n'est-ce pas? Oui, c'est un très beau temps. Pour faire du roller dans un potager de betteraves. Ouais, Alec, j'ai vraiment pas le temps, là. Mais tu fais quoi, là? Là, je suis en train d'aider Victor à récupérer une carte SD. Enfin bref, t'avais qu'à être là. Mais je vais vous aider, moi. Mais t'avais dit que tu voulais rien faire. Ouais, mais j'étais énervé, voilà, j'ai fait n'importe quoi, j'ai dit n'importe quoi. Bon, okay. Voilà, quoi. Mais comment je peux vous aider maintenant? Bon, t'as qu'à... Bah, reste en ligne, je vais te changer ta communication, et puis tu vas au parc du Clos Carré, je pense que tu vas aussi. Ouais, t'inquiète. Quelle couleur les betteraves bordées d'autoroute à Vissin? Arc-en-ciel. Jean-Claude Van Damme ne serait pas déçu des élections américaines. Parlez-vous de Trump? Cryptage asymétrique AES 256 avec clé de HMD5 à la racine du sport. Mot de passe, David Pujadas. Si t'as rien compris, c'est normal. Très bien, merci. Victor, c'est moi, je suis derrière. Si jamais il y a quoi que ce soit, je suis là. Alex? Attendez. À qui parlez-vous? Hein? Quoi? Bah, c'est à ma mère. Allô, maman? Tu veux que je t'achète des pains au chocolat ou la chocolatine? Je ne crois pas. Donnez-moi cette carte SD. Oh, rendez-moi cette carte! C'est bon, t'as la carte SD? Oui, oui, c'est bon. On se casse! Au revoir! Tiens, attrape! Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es nul! Ça va? Ça va, mais tu l'as fait tomber dans la plaque d'égout là! Hein? J'avais tout prévu.
Vite, on est en train de le perdre. Lancez l'opération Toblerone. Mais t'es nul. Oh, ça va. Dépêchez-vous de revenir, le compteur s'est affolé, il reste plus que 30 minutes. On se casse. Ok. Brouillez-vous, il reste 46 secondes. Tiens, attrape. Mais non, mais t'es con. Venez m'aider, là. Ok. Attendez, je l'ai. Super. Il suffit juste de télécharger le fichier vers le serveur. Hein, On n'a pas le temps, fais chier. Non, mais en fait, arrête, ça sert à rien. Non, c'est faux. C'est trop tard. On a échoué. Merde. Fais quoi? Bah, moi j'ai une idée, mais je suis pas sûr que ça va vous plaire. Vas-y, on t'écoute. On va faire un foot. Police, ouvrez la porte. J'ai échoué, et j'ai pu sauver ceci. Mission réussie. Avec un supplément. Ah, une goutte, c'est... Mais, goutte. Non. Tout travail mérite un salaire. Das better than sneakers. Merci. Maintenant, dehors! Oui, monsieur, bien monsieur. La ponctualité helvétique, c'est plus que c'était, hein.